Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 31 mai 2021, direction l'hippodrome de Marseille-Borély pour le prix Louis Brunet, première course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce gros handicap provincial concouru sur une piste de Borély où il fait bon occuper une bonne place, il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons car il pourrait y avoir de grosses surprises à l'arrivée. Une chose est sûre, les positions durant le parcours pourraient faire la différence. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Wookie. Il donne entière satisfaction à Cédric Rossi depuis qu'il a rejoint ses box. Ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget, il reste sur 2-3e place et mériterait de trouver sa grosse victoire de handicap aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 8, Dragonnet. Charles Rossi l'aime beaucoup et pense qu'il peut gagner un quintet plus à la valeur qui est la sienne. Seul petit hic avec lui, c'est un attentiste et s'il est proche de la tête, il peut terminer vite et mettre tout le monde à la raison. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, The Manager. Autre atout de la maison Rossi, mais cette fois-ci de l'écurie de Frédéric, il est proche d'un succès à ce niveau de la compétition et peut compter sur l'aide de Rosario Mangione pour le faire. En quatrième position viendra le numéro 4, Electron Libre. Il vient de se promener dans une course à condition disputée du côté de Lyon-Paris. Associé à Anthony Crastus pour son retour dans les handicaps, il peut faire tilt. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Hathaway. Richard Chotard l'aime bien et pense qu'avec l'aide de Yoritz Mendizabal, s'il se sort du numéro 15 dans les stalles, il peut briller sur les 2100 mètres de Borély. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Blue Hills. Femelle de 7 ans expérimentée à ce niveau de la compétition, elle n'a contre elle que son numéro 16 tout en dehors dans les stalles de départ. En avant-dernier choix, le numéro 10, Silver Schnock. Fabrice Mervelen l'aime bien et pense que pour ses débuts à ce niveau de compétition, elle est capable de confirmer ses deux récents succès obtenus en province. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Carter & Go. Frédéric Rossi l'aime également énormément et pense que dans un tel lot, il peut terminer à l'une des 5 premières places. En cas de non partant, le numéro 16, Sayan, autre atout de Frédéric Rossi, encore lui, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indique encore le tiercé, quarté, quinté plus dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez d'ailleurs besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.